Je suis Vincent Bansard, je suis directeur de l'école Les Vikings, l'école du Calvaire Saint-Pierre. Ce projet en fait nous avait été proposé par la ville de Caen, et notamment les équipes de Vincent Gourdin. L'idée c'était de faire venir les partenaires à l'école, que les parents puissent les rencontrer, le centre d'animation, la bibliothèque, le théâtre, la PMI, Normandie Pédiatrie, les associations de parents d'élèves. Et c'était un temps qui permettait également à des parents qui seraient intéressés pour s'investir dans la vie de l'école de se faire connaître auprès des autres parents élus pour s'inscrire éventuellement sur les listes de candidats aux élections de représentants de parents d'élèves. C'était plutôt une réussite. Ça leur a permis de visiter l'ensemble des locaux, y compris la cantine, et ils ont pu avoir une image plus précise de la journée que passent leurs enfants à l'école. Parallèlement à cela, on avait fait venir une chorale de parents, puisque M. Clanche, enseignant à l'école, est porteur d'un projet de même type. Et donc des parents sont venus chanter dans la cour pour présenter leur travail, ce qui a donné aussi envie à des parents de notre école de participer au projet qui est monté cette année. Voilà. Ça s'est passé le samedi 16 septembre. L'intérêt de le faire un samedi matin, c'était de permettre à plus de familles de se rendre disponibles. On avait évoqué un mercredi matin, mais on se heurtait aux parents, à des difficultés pour les parents qui travaillent. Et l'ensemble de l'équipe a accepté de se mobiliser un samedi matin, de 9h à 12h. Les parents sont venus à l'école, rencontrer les partenaires, profiter des temps dans la cour. Mais on a encore trop peu de parents qui sont venus dans les classes pour rencontrer les enseignants pour les réunions de rentrée. Donc on réfléchit déjà à d'autres modalités d'accueil, peut-être encore un peu moins formel, pour permettre à davantage de parents de venir. Ce projet, sans le cadre de la cité éducative et les moyens alloués, on n'aurait pas pu le mettre en place tout seul. Donc il a vocation à être remis en place l'année prochaine et encore amélioré.